les gens qui s'arrêtent. Ceci est la deuxième des trois scénettes qui vous sont présentées ce soir. Elles seront rejouées toutes les heures. Le 21 septembre 1792, les députés élus à la Convention nationale ont voté à l'unanimité l'abolition de la royauté et ont proclamé la République française une et indivisible. Quelques mois plus tard, le 21 janvier 1793, à 10h du matin, le roi Louis XVI est décapité, place de la Révolution à Paris. D'autres régimes européens forment cependant une coalition pour se battre contre l'armée républicaine. Compte tenu de la situation géographique de Benfeld, l'armée autrichienne reste à portée de fusil. Et en septembre 1793, la peur afflige les citoyens. Albertine, ma douce Albertine, es-tu là? Rien à faire, elle ne m'entend pas. J'ai une idée. Albertine, ma douce Albertine, es-tu là? Qui est ici? Mon Jean, c'est bien toi? Quelle joie! Mais que fais-tu ici de si bonne heure? Il fait encore nuit? Albertine, je viens de faire mes adieux. La République vient d'appeler tous les jeunes de Benfeld et son canton sous les drapeaux pour le service armé. Mais pourquoi font-ils cela? Nous devons nous rendre du côté de Chenot, où les troupes de la coalition anti-républicaine se préparent à franchir le Rhin. Mais tu n'es même pas habillé comme un soldat. Et c'est que je viens d'être prévenu pour partir tout de suite. Je ne devrais même pas passer pour te dire au revoir. La Convention nationale de Paris ordonne la levée immédiate et massive d'une armée de citoyens français. Tous les hommes âgés de 16 à 40 ans sont requis pour le service.
l'on ne possède pas d'armes, nous devons nous munir de fourches et de faux. Mais t'inquiète pas, nous les aurons avant qu'ils atteignent Benfeld. L'armée autrichienne, peut-être. Pas moi, certainement pas. Je t'ai déjà dit d'arrêter de tourner autour de ma fille. Espèce de va-nu-pied sans foi ni loi. Je refuse que ma fille suive un vagabond de ton espèce. Mais madame, je ne suis pas un vagabond, mais j'essaye juste de défendre la République. Parole de fainéant, hors de ma vue, que je ne te retrouve plus dans les parages. Sinon, gare à toi, tu auras affaire au père de ma fille. Non, maman, ne fais pas cela. Pas commode, la vieille. Ya, ya, petit Aldrip a l'air efficace. Elle finira bien par reconnaître ses erreurs et accepter l'amour que j'ai pour sa fille, mais aussi les hommes qui défendent notre République. Si vous n'êtes pas plus tenace devant les soldats ennemis que devant la vieille, votre République a du souci à se faire. On ne va se faire République. Il paraît qu'il persécute les religieuses et condamne à mort tous les prêtres réfractaires à l'interdiction du port de la soutane. Ils veulent aussi confisquer les biens du clergé. Et c'est que le clergé est contre la République et contre le peuple qui se soulève. Seuls les moines et les prêtres qui quittent leur couvent et leurs habits sont considérés comme des citoyens. Et ils touchent même une pension révolutionnaire. Le clergé nous a dépouillés. À nous de reprendre notre dû. Yo yo, j'aimerais bien savoir comment. C'est vrai que toutes les croix de la ville ont disparu, et sur les chemins aussi. Et on n'entend plus les cloches. Ils nous ont laissé que la grosse Suzanne dans le clocher pour les alarmes. C'est encore votre République qui veut ça? Que êtes Marie? Tu parles d'une République. Ça fait plusieurs mois que la guillotine circule. La terreur la précède et la mort la suit. Elle a déjà fait tomber 31 têtes entre Strasbourg et Célestin. Et elle arrive chez nous. J'en connais par ici qui peuvent craindre d'être raccourcis. C'est vrai, Marie-Claire. J'ai vu la guillotine du côté d'Aubernay. Tout un cortège avec des gendarmes en tête. Le bourreau Meckart et son instrument de mort en compagnie des membres du tribunal. Et de Schneider, l'accusateur public sanguinaire. Ces messieurs voyagent dans plusieurs carrosses tirés par des chevaux blancs et vont de village en village dans tout le département. À Benfeld, on a le nôtre de dénonciateur, Oracle le Wurtembourgeois, qui réclame le passage de la guillotine à corps et à cri pour semer la terreur parmi nous. Il a déjà réussi à faire mettre en prison notre maire pour tiédeur républicaine dans l'exercice de ses fonctions. Ya, ya, sans compter les 30 Benfeld doit dénoncer et emprisonner à Célestin. Un beau salaud, ce Oracle. Ne me parle plus de lui. Mais ce n'est pas un vrai révolutionnaire, lui. Il profite de la situation pour son compte, comme beaucoup d'autres. Mais bientôt, la liberté triomphera sur nos terres. Et les puissants auront laissé la place. Encore ici à siroter. Vous partez tout de suite au front. L'ennemi menace Haguenau. Bon, sèche, que viens-tu faire dans mon auberge? Nous convoyons les blessés du front, mais l'hôpital et le château de Benfeld accueillent déjà plus de 200 blessés. En attendant d'installer un autre hôpital à Ebersmünster, nous réquisitionnons ton auberge pour accueillir les malades. Boss, mais il est hors de question de renvoyer mes clients tant qu'ils auront soif, monsieur officier. Ne perdez pas de temps. Installez les malades et les blessés sur les tables. Toi, le gendarme, surveille tout le monde. Je ne veux pas d'évasion de blessés comme l'autre jour. Dès qu'ils sont de nouveau en état, tu les renvoies au fond. Allez, dégagez. Normal, Hanson, les Tobéons, t'es échec. Les soldats sont de plus en plus exigeants et de plus en plus.
simples billets de paiement qui perdent de leur valeur de jour en jour. Herr Schwart, cette façon de faire n'est pas celle qu'on espérait de la République. Nous vivons dans une terreur constante. Hé, hey, les amis, venez, aidez-moi à porter les reliques de la Sainte Croix et de Saint Materne et les autres objets du culte en lieu sûr. Aurac, le Wurtembourgeois, je les confisquer pour les revendre et fermer le couvent. Par la suite, à part quelques incursions en 1796, l'Alsace reste préservée des opérations militaires. Mais le stationnement permanent des troupes dans la province et leur ravitaillement pèse davantage sur la population alsacienne que sur celle des départements voisins. Thank you.